Mes amis, PM Ariel Henry parlait 5 jours après arrestation Joseph Félix Badio. Ariel Henry parlait là, dit que la police arrêté bon amis. Et nous connaissons Badio, son nèg qui est vraiment important dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Femmes ou bien, Badio qui était passé devant juge. Oui, soit on est assez salié. Badio qui était passé devant juge. Côté Badio, non, moment parle là, restez là, nous prenons du causé. On partit avec qui ça? Ariel Henry dit, dans la question arrestation, Joseph Félix Badio. PM Ariel Henry, t'assembler côté lié là, lui pas de internet. De la son monde qui font un plan pour lui, pour jouer une nouvelle, ça, qui dit, yo arrêté Badio. Parce que, depuis yo arrêté Badio, depuis 19 octobre, yo arrêté Badio, c'est jodi à la pour Ariel Henry écrit pour féliciter PNH. Qui ça Ariel Henry dit? Docteur Ariel Henry dit, moi bat un gros bravo pour PNH. Après, beaucoup lui fait dans arrestation Félix Badio. C'est un gros pas qui a aidé enquête sous la mort président Jovenel Moïse là progresser. Ça c'est ça. Déclaration ça. PM Ariel Henry fait sous compte Twitter li. Tendez oui. Gèlse des mots PM Ariel Henry utilisé nan phrase qu'il écrit. Par exemple, li dit li bat bravo pour PNH. Est-ce que Ariel Henry bat bravo tout bon vrai pour PNH qui arrêtait le bon Zamil? Puisque nous connaissons DCPJ, t'es écrit Digicel, il t'a demandé pour mener enquête sur ligne téléphone PM Ariel Henry avec Badio, et on t'a joué, Badio t'a parlé ni avant ni après assassinat président Jovenel Moïse. Est-ce qu'elle compte tout bon vrai? Dit que la police nationale d'Haïti arrêté Félix Badio. Ok. PM Ariel Henry dit, lui dit comme ça, c'est un gros pas qui a aidé enquête sur la mort président Jovenel Moïse la progresser. Est-ce que tout bon vrai? Lui content du fait que yo arrêté Badio, il dit son gros pas qui a aidé enquête pour sous la mort président Jovenel Moïse la progresser. Mes amis, Mabdou Ariel Henry, papa c'est bien, m'a dit là pour nous faire nous pour farine. Non. Papa c'est blo farine nan figi nou pour dire nous c'est lait bœuf. Nous connait lait bœuf, nous connait blo farine. Qui est PM Ariel Henry qui content dit que yo arrêté Badio. Est-ce que PM n'a pas de côté Badio téyé? C'est que ce qu'a posé. Le PM n'a te parlé avant et après assassinat président Jovenel Moïse là, qui ça a été dit dans téléphone là? Nous t'a même connait. Et ensuite nous te jouen PM Ariel Henry dans interview qu'elle te gagné, elle te dit Badio le connaît pas qu'à impliquer dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Parce que Badio très bien depuis longtemps la fonctionne avec Badio. Il te dit il pas quoi Badio t'a impliqué dans bagarre comme ça. Ces questions à poser nous pas connait rien. D'ailleurs nous dit nous-mêmes son coup de main n'a bail pays d'Haïti. Parce que je m'en vais là, il n'est pas compliqué. Et il faut que vous suivez Badio de près. D'abord, ça fait me connaître. Mais manger Badio, manger. Il y a des gens qui goûtent à manger d'abord pour Badio manger, manger. Parce que vous n'avez pas voulu Badio mourir dans la prison. Et vous n'avez pas voulu tout. Vous avez essayé des nègres là pour t'amouter un complot pour vous tuer Badio dans mes policiers de CPJ. Femmes ou bien. Non, moment parler là. Regardez qui est lié. Badio pas ni dans le DCPJ, Badio pas dans le tribunal, Badio trouvé dans le pénitencier national. Tenez bien le pays. Pour ça, faites TikTok avec elle. Badio trouvé dans le plus gros casier qui trouvé en dans prison pénitencier national. Quand on mettez gros chef criminel, c'est là Badio est. Qui est Badio qui est arrivé là? M'bral dou qu'il est arrivé à c'est moi-même mission moi-même c'est là à chercher information pour tel pour vous n'importe côté où y est à travers monde là. Faut bien
Quoi bateau ça? Batio, c'est pas un petit nèg petit. Batio son pièce important. Batio pas là. Li pas dans mi de CPJ encore. Batio qui t'a passé devant juge. Batio pour moment parler là. Batio m'a dit tout notre monsieur Joseph, et tout Joseph pas bon. Joseph Félix Batio li trouvel dans prison pénitentiaire nationale. Jodi a la, Badio te arrivé, passé devant juge Walter ou c'est Voltaire, on va dire comme ça. Pourquoi c'est non juge? Bon, gardez-moi. Il y a un problème avec ordinateur, mon CD. Depuis qu'on clique sur lui, il faut tout monter. On est pour le internet là tout. Là-bas, il y a un trouble. Mais ni. Dans le dossier, président Jovenel Moïse là, qui assassiné la Kaili, jour quitté 7 juillet 2021. Joseph Félix Badio, j'ai une arrestation le 19 mois ça là qui c'est octobre là. Et Joseph Félix Badio transféré dans prison pénitentiaire nationale. Décision ça prend après juge Walter Wesser Voltaire, vraiment vous c'est juge ça, nous voyons c'est juge là qui a instruit des dossiers assassinat Jovenel Moïse là. C'est après juge Walter Wesser Voltaire fin tande Badio qui s'est accusé jeudi mardi 24 octobre 2023. D'après ça, yon journaliste qui très crédible dans société a li rapporté ces divers agents qui affecté under DCPJ qui t'a accompagné dans vrai engagement qui s'est escorté Badio nan cadre audition ça après juge là fin tande Joseph Félix Badio li passe l'ordre pour voyer Badio nan prison pénitentiaire nationale. Tande oui, yo il fann konnen yo te accompagné Badio et yo menel nan pi gros centre pénitentiaire pays a qui bon c'est prison pénitentiaire nationale et on mettait monsieur parmi les criminels. Voilà quand on Badio dans prison là, qu'est-ce qu'on va aller mais Badio vient mourir même j'avais Gilbert Dragon parce que gon nèg en dans prison pénitentiaire nationale qui c'est Dimitri Era. Tenez bien oui pays a ouais marqué ça me dit a gon nèg en dans prison pénitentiaire nationale qui c'est Dimitri Era, qui c'est Zami, président Michel Joseph Martelly, qui c'est ancien soldat ou bien ancien chef palais national, qui trouve dans la prison pénitentiaire nationale, faut que vous veillez monsieur très bien avec Badio. Mais c'est quand il était cassé coup Badio dans la rue. Parce que il pas ta armé pour Badio avec lui patron. Qu'est-ce qui patron? Nous tout connaît c'est Martelly patron. Nous connaissons plein de gens qui étaient impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse là, qui est dans les airs. Est-ce que Badio est en cité de ça? On va tout le monde dans la pénitentiaire nationale. Nous ne connaissons pas. Nous avons pour le juge là dit, mais qui ça Badio te dit? D'ailleurs, le juge a entendu Badio. C'est raison pour laquelle il voit dans la prison pénitentiaire nationale. Oh, c'est protéger Badio pour nous parce que Badio qui voulait parler. Il faut que Badio parle pour dire qui est-ce qui était. Non complot pour tout Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse n'est pas bon et bon d'aime dire mais non je m'a parlé de Jovenel Moïse m'a pas très mille parce que il était pour un link qui pas bon pour lui un Jovenel qui était un paysan lui allons qui peut mater avec un monde bourgeois lui pense que c'est bourgeois et tout pourtant qui va sortir non masque plat sorti mais que jeune homme Ali fait penser c'est bourgeois fait penser c'est milat cheveux siwel mais j'en ai yo. Ouais, c'est un après là, je vais couper vache avec les gyo, la pône de ça c'est pour peuple là. Les Jovenel Moïse pral de son liste nèg kap vann drogue, kap vann zam nan pays d'Haïti. C'est les ça autour Jovenel Moïse. Tande re pays a. Badio c'est vrai yo voye dans prison pays national, mais faut devant c'est l'île côte Badio y a, t'as supposé gien deux policiers qui veillé. Et policiers ça yo c'est policiers DCPJ. Parce que
m'pa ta remet pour touyer Badjon dans prison. Contre PM Ariel Henry propose il a vinn parler, il dit oui, li bat bravo pour la PNH qui fait un gros coup, c'est un bon pas là pour sur dans dossier assassinat président Jovenel Moïse ka progresser. Monsieur, gèlè qui pas au courant depuis qu'il est arrêté Badjon, puis ça c'est Jodiel parler. Et m'a regardé là tout André Michel qui fait style la PNH pour arrestation Badjon. Est-ce que nèg sa yo yo content du fait que yo arrêté Badjon? Tendez oui. Est-ce que nèg sa yo content? Et nèg sa lui-même, yo te prend, yo te promettre place premier ministre là qui était dans SDP. John Joel Joseph te chita sur même table avec Joseph Félix Badjon. SDP toujours. Et gampi nèg pa nan courir là oui. Tendez bien pays là. Nous gande Michel, Renel Kasi, Nkapie, qu'est-ce encore? Nous gen beau plan. Nous gen vob, nous kato. Lèm di vob la, tout nèg vob yo, nous gen boulos. Qu'est-ce encore? Nous gen Mateli qui va nan courir. Nèg sa yo, c'est eux même zanmi famille et allié. Et en plus, nous gen ancien magistrat Ronicolé qui ba radio pour goumer contre Jovenel Moïse. Nèg sa yo là et même nèg sa qui dans opposition et John Joel Joseph te contre avec nèg sa yo. Qui est-ce qui te promet John Joel Joseph premier ministre? Nda me connaît qu'est-ce qui te promet lui? Ça pour dire, c'est pas André Michel qui te promet lui place premier ministre là. Oui, parce que nous pas Jean André Michel tapé Joseph Messen Jean-Louis pour te faire un discours. Et malgré grand monde n'a pas capable non, la force est grand monde pour parler. C'est comme si nous avons des leçons, si nous avons des dit, il va venir apprendre leçon à battre lui pour apprendre leçon. Nous pas Jovenel Moïse. Nego t'a goumé là pour porter le coup d'état n'importe la façon. Mes amis, on n'a demandé protection pour Badjon. Badjon son pièce important et puis tout. Moi FBI a joué avec bagaille là. Pour Badjon qui son pièce important, madame là li m'konn qui est Badjon yé. Président Donald Trump konn qui est Badjon yé. Et ensuite Joe Biden konn Badjon très bien. Ouais, m'a prend américain yo. Ou MC non Donald Trump, ça veut dire Badjon son un pièce important. Yo konnen Badjon impliqué à fond dans dossier assassinat Jovenel Moïse là. Yo arrêté Badjon depuis 19 même bon c'est depuis l'heure fin arrêté Badjon nouvelle là prend la rue. Moi c'est dans demain matin, n'a pas gété di et ou bien FBI vinn dé Badjon à la veille lui. Badjon pas supposé là toujours non. Badjon plus facile qu'à mourir dans prison pénitentiaire. Pour le pas t'en parler. Si pas t'en vienne prendre là, oui. Oh. Rale Kayo, Makil, samedi à la, yon jou, nan bon raison. Si FBI va t'en vienne prendre Badjon, nan pénitentiaire national. Même ça t'est arrivé avec Gilbert Dragon, nan privé, Joseph Félix Badjon. Laisse ça. Enquête là. Nous avons une enquête là. D'ailleurs, pièce importante, nous avons déjà nous jeunes. Pour qui ça Badjon là toujours? Pour qui ça là? Badjon supposé à joindre FBI pour le parler. D'ailleurs, moi, et là, vous avez fait là avec dossier Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti. Je saisis pour juge où est-ce que Voltaire tende Mateli pour le patou Kébel. Yo Mateli non épinglé dans la sanction Canada. États-Unis a préparé la sanction pour Bali. C'est nous qui sommes sanctionnés. Et moi, je suis entendu dans le tribunal là, je suis sorti en citoyen. Donc on nèg là qui pi blanc que la neige, on nèg qui garoti la jepeto caribé, puis va tout déposer la patte soumise. Comme Haïti son pays spécial lié, malé, rendez-vous dans prochaine émission pour nous garder ton l'autre dossier Bablé Channel ça, c'est production 79, n'a demandé pour like nous, abonner et puis peser sur notification, retirer sur personnalisé sur tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Qui est sorti, yon les Jovenel fait mourir, nous croyons commissaire gouvernement et d'alors là, vous comprenez, qui tape tant de quelques mounes. Et puis, yon l'autre avis de recherche qui devine sorti après DCPJ te fin produit la police ou assassinat président. C'est deux photos. Et... Mais,
Il semblait. Mais Badjoz a l'air présenté, il n'y a rien pour avec. Non, mais. Il faut que ce soit à vidéo recherche. Alors, c'est ça. Ralph te dit, Walter Kadibo. Il a arrêté Joseph Félix Badjoz, mais qui l'a arrêté deux mouns qui sont photo. Non. Non, mais ça qui passe, c'est que il y a deux ans qui passent sous assassinat. Il n'y a pas de monde qui connaît tout depuis qu'il a photo, ça, il a observé. Non, toi qui est beaucoup plus sérieux, comme on est qui, bon, on va le dire caval, parce que monsieur dit pas de maman lui-même. Si les gars disent pas de maman, il va me poser le maman. Oui. Monsieur qui tes cheveux, moi monsieur qui tes babi. Oui, monsieur qui tes babi. Pour me dire, si c'est monsieur, il a retiré des babi et des cheveux. Babi, non, alors. Oui. Donc, monsieur changé et on dit, monsieur quitte Babli, ouais, coiffure, donc monsieur. Quitte cheveux, il y a donc, cheveux. Oui, ça veut dire, moi-même, citoyen, ça, c'est bon, comme pas de connaître monsieur avant. Même d'ap croisé avec ça, pas capable d'identifier par rapport à photo yo. Jamais. Ouais, l'étape difficile. Ouais. Oui, il quitte elle. Yeah. Oui. Et puis, tout à l'heure, maman vient avec information ça après. Oui. Juge de paix Clément Noël qui t'a fait constat à présumé assassin avec toute machine li tap conduisant pas de jeune aucune pièce sous lui puisque c'est dans commissariat Pétionville là que il a fait constat et a verbalisé li. Toutefois Badjo confirmé li c'est Joseph Félix Badjo li habité Delma 40B numéro 29 la caille papale qui relait Joseph Fontus Badjo qui mourit dans mois septembre 2023 dans pays États-Unis et li dit tout li habité dans zone Claircine 4 numéro 20 commune Tabac yon kay li té loué sa gagné 6 ans et gagné yon côté Dieu qu'on a l'acheté dans zone pas qu'on est pas qu'on sait modèle ça oui ce policier qui dit depuis Claircine yon antenne du monsieur yon monsieur dans l'épidor Claircine l'acheté au gouvernement OK mais ça j'ai la lâché manger. La lâché manger? Oui. Oh, la lâché manger. Elle dit, l'aime ça l'acheter, l'acheter. Il a dit, l'acheter plusieurs manger. 4, 5, 6 manger. C'est pas. Je sais qu'elle a marché pour quoi le tout. Parce que selon ça, vous dites, il y a trois mouns qui étaient avec monsieur Guetta. Oui, alors c'est ça, monsieur dit. Hein? Oui, parce que la police n'est pas capable de vérifier ça. Oui. Parce que je m'apprends que c'est l'aime qui est sorti dans la maquette là, il y a un sachet dans la main. Donc c'est là ça, et le commissaire là qui était au courant. Et camper en face monsieur. Ouais, monsieur Guélet a été fait tentative tout pour le chaper. Ouais, mais comme ça a dit sous courir. Oui, comme ça a dit là. Bravo à monsieur Pétionville. Oui, comme ça Pétionville a été là en personne a dit sous courir citoyen. Il a dit bien bah qui arrive. Donc monsieur est obligé de poser lui. Mais il y a des gens qui a posé la question est-ce qu'ils sont coïncidés ce guerrier comme si c'est joué à pour reprendre l'arrière et comme c'est à. Mais je connais. Ça a toujours arrivé. Il y a des gens qui disent est-ce qu'ils sont coïncidés tout, c'est pas dans le pays. Oui, il va dans le Canada. Il va dans le pays. Mais bon, même si c'était toujours. Avant de me faire acheter, manger, les amis. Tout le temps. Peut-être que vous n'avez pas de quoi monsieur, ou bientôt. Et vous n'avez pas de quoi antenne sur lui. Monsieur dit la police. Monsieur dit pas de la marron, tout le même. Monsieur dit pas de la marron. Oui. Moi, je vais confirmer ça. Monsieur pas de la marron, parce qu'il y a plusieurs monde qui parlent avec moi, qui disent monsieur dans la ville là, mes côtés, monsieur passé, mes côtés, monsieur passé. Vous comprenez? Oui. Moi-même, je pense que j'ai assez d'éléments là même pour me confirmer que M. Patnamao, M. était dans le pays. Oui, non, M. était là. Vous voulez prendre M. Oui, seulement, ça, M. quitté, c'est peut-être Babiol quitté pour faire. Pour bouiller. Pour bouiller le monde. Pour mettre au sous-doute. Oui, pour le monde qui ne connaît pas bien. Ouais. Ok. Joseph Félix Badjo. 6 téléphones là même. Oui, 6 téléphones. C'est Mr. Kounatel. Je dis 6 téléphones. Bon, on a là. Deux Android et puis 4 tiers de MBZ. Oui. Et chaque bon sim différent. Oui, gon sim et natcom tout que que joine. Bon, comme je dis, il y a 6 moun, 3 moun avec. Est-ce que chaque moun a un téléphone? Ouais, qui moun qui est avec monsieur? Non, pas connaît, mais j'aime dire la police dit yo pas trop remarqué personne moun avec monsieur. Donc monsieur était à bord une machine Chevrolet noire l'année 2005. Plaque là c'est AA05432 qui sous nom un certain Marie Patricia Jean-Gilles. On pourrait ménager les
et nous pas connaît. Alors et selon ça l'est déclaré, c'est ta belle soeur. C'est comme si c'est acheter machine là, ouais, comme ça depuis un bon bout de temps. OK? Et c'est ça l'idée. Et dans machine ça, la justice joigne j'ont dit la joigne 6 téléphones portables, il y a 4 SIM compagnie Natcom, il y a joigne tout on liste téléphone qui n'ont papier. Et dans machine là, je nous prier. Ouais, j'ai des petits prières dans poche là. Oui. Des petits prières dans poche là qui écrit en français et puis ils ont joint une licence Florida. Alors Florida aux États-Unis. Qui sont nom Carwena Jean-Gilles. Et qui a expiré dans l'année 2027. Hein? Et il semblait et l'on regarde licence pas de moto là. On va monter licence non. Hein? On a toutes les formations ça. Licence là, yo envie ça. Mais oh, bigay ça vrai non. Ça là bigay ça vrai. Bigay c'est monsieur Kimbell pour identifier là. Pour identifier là au Kimbell. Mais pour moi même son choix monsieur fait là ma pièce d'identité. Oui. Parce que si jamais bon checkpoint cap fait par exemple. Au revoir. Yeah, monsieur. Oh, ouais, regardez, vrai. Il semble, regardez, pour regarder, moi. Il a dit, c'est Florida, la vive, donc, il vient là. Oh, ouais. J'aime monsieur qui était Bablia, effectivement. Il vient faire le trait, même si il a un sac sous photo. Il dit, on est en diaspora. Comment on blend ça? Driver license? Attention, Anglier. Jean-Gilles Carénard. Yeah. Monsieur, c'est rentré, il y a 2-3 jours dans le pays. Il y a 2-3 jours, licence Florida. Licence Florida, qui n'a mené. J'aime monsieur qui te cheveux. Oui. Avec Bablia, il y a une balle très. Mounsa. Moun qui sous licence. Comme Moun, il y a une chance. C'est en face de moi, il y a peut-être fait une description. Donc pour moi-même, monsieur, qui a fait un choix que le marché sans pièces d'identité pâle. Vous comprenez? Et puis l'utiliser et licence ça. Vous comprenez qui sont licences au monde qui vivent en Floride. Vous comprenez pour l'identifier peut-être si la police qui est bien. Oui. Vous comprenez dans le pays là. Ouais, ça me joue là. Donc, oui. Même gens aux États-Unis. Et parmi son aide dans l'enseignement. Oui, les comptes ça le fait. Les comptes ça le fait. Ou qu'a conduit avec licence Haïti. Ouais, pendant quelques jours. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est. Improvisé. Ok, Félix Badjo qui déclarait te gen ak li nan machine nan 3 lot moun mais qui te couru pendant un moment arrestation fait qu'on est li pa jam nan maron donc li pa responsable si la police pa t'arrête l DCPJ faut que nous dit à travers rapport li yo présenté Joseph Félix Badjo comme yon nan suspect clé dans complot assassinat chef l'état Jovenel Moïse. Badjo déclaré ba juge de paix qui t'a fait constat li pa gen rien pour nan assassinat président Jovenel Moïse. Et il faut que nous disions, d'après le rapport des CPJ sur dossier ça, Joseph Félix Badjo était en contact deux fois dans la même soirée criminelle avec plusieurs monde et parmi eux, il y a un numéro de téléphone qui est enregistré sous nom Ariel Henry, la compagnie Digicel. Donc c'est ça qui était dit. Premier ministre. Premier ministre. Oh, parlons de Premier ministre Ariel Henry. Est-ce que nous songeons. Il y en a. Sorti pour ma demande si c'est ma première sortie médiatique docteur Ariel Henry te fait c'était dans micro Gary Pierre Paul Charles. Faut chercher extrait ça parce que internet la bonne possibilité pour qu'embêti archive nous. Les Gary Pierre Paul Charles te posé monsieur question sous mes amis me dit monsieur désolé autorité chef docteur Ariel Henry question sous non pas joke cité sous nos relations avec Badjo. Pour le bas, j'ai confirmé Badjo est bon ami. J'ai confirmé ça, il compte Badjo très bien. Mais deuxième bas, monsieur te dit que Badjo le connaît, il va pas la rentrer dans le comme ça. Oui, ou bien, est-ce que ça ne dit pas gain? Il va gagner. Oh, regarde, il a envoyé le bon moment. Je te dis ça clairement. Je te dis Badjo le connaît. Est-ce que tu es face à face avec Badjo? Badjo son moun konnen. Mwen se ki moun ki pa moun Badjo. Nan peyen, men mba wè, face a face, Badjo mba... Pe lè ou tu se msou konte tout opérasyon sa? Badjo pa ka monte opérasyon sa. Mwen konnen si l patisipe la dan nan, men se pa kali. Se
de façon claire. Non. Nous connaissons pas toute capacité ça. Non seulement pas capacité, mais même économiquement, il ne peut pas. Pour la question est claire, quelles sont vos relations avec Michel Martelly? Parce qu'on dit que c'est Michel Martelly qui avait facilité que ou même vice premier ministre avec les discuter avec Jovial et lui-même vice-président Jovial, c'est Dr. Ariel Henry que lui-même l'a fait. Qui sont qu'à dire pays à ce qui sont ça? Premier bail qui est monde qui relève, premier monde qui a proposé président Jovial. C'est numéro Ariel Henry, tout au moins c'est numéro enregistré dans Gisel sous le nom Dr. Ariel Henry. Ça veut dire, il y a un petit baril, t'as dit. Vous comprenez? Et rapport a dit, c'est cerveau assassinat. Avec tout le baril passé, il y a un baril qui est comme lui, un baril qui est comme lui, mais c'est lui-même qui a peur. En tout cas, et c'est même gens, on diaspora qui doit l'autre bord là, ils vont guerrier font caillou ici, mais pas guerrier qui est génial. C'est pas guerrier qui bosse. Oui. Pas guerrier qui a acheté bah, il a voué cob, il a acheté puis guerrier a coordonné. Oui. On doit combattre comme ça. Pourquoi il livre au livre Badjo? Hein? Pourquoi il livre au livre Badjo? L'élection, New York Times révélé que dans jour là, tu as devine bon monsieur. Moi, je t'as devine débarqué. Oui. Relé monsieur, l'élection. Pour connaître qui ça la presse américaine dit. Parce qu'on dit, nous avons un avion américain qui doit débarquer. Il va quitter, monsieur. Vite, bras, monsieur. Il va quitter. Alors, la justice américaine déjà condamné moun dans le cadre de ça. Et nous, ça nous fait nous-mêmes. Nous attendons. Nous attendons un peu le monde. Nous attendons un peu le monde. Ok. Luxon de Saint-Ville. Bonjour. Bonjour, Guerrier Dussel. Bonjour, Johnny Ferdinand. Bonjour, mettez en ordre et bonjour tout le monde qui a fait des cailles matin. On va continuer à continuer. Très bien, très bien. Alors, Johnny est en bas au petit calme là. Qui ça nous voulait me dire là? Alors, nouvelle là, c'est qui ça? Alors, et dans un article qui sorti hier soir dans New York Times, il y a retourné sous arrestation. Joseph Félix Badiou, que tout le monde connaît, qui est considéré comme un suspect clé dans le montage complot qui a abouti à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Et bien, dans l'article, ça a pris ma fonction vol. Le plus souvent, les gagnants gens de textes d'actualité, ça y en d'un texte médias américains ont traité, sous pas prêter attention, il y a des informations qui ont échappé. Sous le point de focus sur ça qui est l'élément central ou bien premier fait d'actualité, il y a une information qui a été dans l'article en médias américains qu'on parle en nous compte. Et bien, c'est dans l'île, je suis tombé sur deux petits paragraphes que m'estime qui est une nouvelle là-dedans et me dit de partager avec nous. Média Lelfin parle de l'arrestation Joseph Félix Badiou, implication présumée, etc. Ça qui dit dans le rapport yo, et rôle monsieur T joué dans l'assassinat de l'ancien président. Gagnon côté dans le texte là, il dit que avocat certain accusé qui trouvait actuellement dans Miami, il déclaré que t'as semblé gagner un acte d'accusation qui déjà scellé pour M. Badiou. Et c'est des procureurs américains qui ont même déjà déposé pour Badiou. Et dans le même paragraphe, ça article New York Times, là, il dit, il se peut, il pourrait que Joseph Félix Badiou ait à être transporté par avion pour venir aux États-Unis dans le jour ou bien dans la semaine qu'il est venu là. Donc, c'est parti, ça a été attiré l'attention. Et là, c'est New York Times qui révèle une information comme ça. Et c'est pas une information capable de prendre à la légère. Dans le même texte, ça, il dit que beaucoup de gens qui ont une charge américaine qui a annoncé contre Joseph Félix Badiou,
qui, selon sa journal l'a rappelé, gagne un caï dans la région que les Walkland dans l'État de New York, aux États-Unis. Il dit que Badio est beaucoup cité, non, ou bien beaucoup nommé dans l'acte d'accusation, même Jacques que vous faites pour 11 autres citoyens. Nous connaissons que le tribunal fédéral américain déjà penché sur le dossier. Même si vous pouvez faire ça pour Badio, mais plusieurs accusés ont déclaré que c'est Badio qui est l'autre pour tout le Jovenel Moïse. C'est ça, New York Times, c'est même li rapporté. Et il y a Jake Johnston, qui est un expert dans la question de dossier Haïti, lui dit Badio est un ami temps. Ça fait ça qui est pour avec l'assassinat de l'ancien président. Non pas parce que il est susceptible pour l'État, cerveau ultime, l'amour, mais c'est parce que il semblait une rare monde qui est capable de gagner ou bien disposer d'un ensemble d'éléments d'informations sur l'assassinat. Et c'est un monde qui a une implication qui est très fond dans le bagage. Et dans le texte, le journal New York Times juste rappelé que il y a des preuves qui montraient que Badio était en contact avec M. Colombien qui était sous place et pour faire ça qui était passé à l'après-appelé 7 juillet 2021. Il a rappelé tout que Badio était gagné lien avec monsieur qui était allé monter complot dans l'État Floride. Badio était en contact avec acteurs qui puissent en Haïti qui jusqu'à présent étaient cachés qui ont beaucoup joué. Et ont juste rappelé tout que gagné relevé téléphonique que New York Times lui-même dit le consulter qui montrait qu'il y a des appels qui étaient passés entre Joseph Félix Badio et actuel Premier ministre et Ariel Henry avant et après et assassinat Jovenel Moïse. Et appel ça a été duré plusieurs minutes chaque. New York Times juste rappelé et pour moi clôturer première partie intervention ça que Joseph Félix Badio, selon sa rapport et divers rapports qui fait sous dossier et fait connaître et Badio te baye $80,000 américains avec staff garde présidentiel qui était sous place quand Jovenel là, de façon pour yo pas ni tirer ni faire aucune action dans moment opération t'a pas déroulé. $80,000 avec avec toute police est déroulée. Tout le monde déroulé. Oui. Donc ça pour nous kembe dans information moi sur bail m'a retourner sous lui. New York Times dans un article sorti hier, il dit gagne avocat dans certains accusés qui actuellement dans Miami, il fait connaître assemblé gagne un acte d'accusation qui déjà scellé pour Joseph Félix Badio et c'est des procureurs qui déposé le procureur américain. Il dit il est probable pour gagner un avion qu'elle prend Badio Haïti pour venir avec aux États-Unis dans le jour ou bien dans la semaine qui va venir là. Et pour rappel, l'élection de Séville, déjà gagné plusieurs individus qui impliqués dans le cadre dossier assassinat Jovenel Moïse qui est aux États-Unis. Que la justice. Effectivement, gagné 11 que yo déjà et d'a dit inculpé ou accusé officiellement, gagné charge au kembe kont yo et parmi 11 individus sa yo gagné 3 là-dedans yo qui déjà plaidé coupable. Ça veut dire yo accepté ou admettre que yo t'ai participé dans complot ça t'ai abouti à assassiner ancien président Jovenel Moïse. Parmi 3 moun sa yo qui plaidé coupable, gagné ancien sénateur John Joel Joseph, gagné Rodolphe Jean, qui sont anciens informateurs d'IA, et puis nous gagnons Herman Rivera, qui est un capitaine retraité dans l'armée colombienne. Tous les 3 nègres, ils ont déjà plaidé coupable. L'autre accusé, dans le mois qui vient, il y a bien pour yo passer devant le juge pour dire qui ça connaît, est-ce que vous êtes coupable ou bien ou pas coupable. Et qui s'est arrivé à monsieur comment c'est Tio? Monsieur Tio. Alors on va parler de terme responsable. Oui, très bien. Alors responsable c'est Tio jusqu'à présent gagné élément d'enquête qui dit
permettre qu'il y a continué chercher responsable City. Mais et non monsieur qui échappé là toujours cité dans tout dans tout rapport et dans tout et enquête que américain les même li a mené. Donc jusqu'à présent moi pas gain trop éléments d'information sur responsable City qui jusqu'à présent c'est un élément clé dans cadre enquête ça que américain les même li a mené. N'a pas appelé te gagner des gros descentes qui étaient faites dans des alliés responsable CTUA et partenaire li monsieur qui était bal financement pour te recruter colombien ça a été gagné descente que FBI a été fait la caille you na monsieur ça donc jusqu'à présent et vous senti que américain li gonjan li impliqué dans le dossier et le plus souvent monde que vous considérez comme des suspects clés eux-mêmes américains assurent que les gains sous territoire et c'est sous contrôle la justice pays ça pour enquête là lui-même li avancer donc n'a prêté suivre dans jour et dans semaine qui va venir là pour nous connaître si Badjou a sauté Haïti pour venir là ou elle venir là comment procédure judiciaire va pas avancer mais il y a un monde qui plaide coupable c'est ancien sénateur John Joel Joseph qui lui-même dans déclaration il dit que il participe dans un complot pour assassiner président Jovenel Moïse parce que il a pris le premier ministre c'est ça effectivement dans déclaration que John Joel Joseph fait non seulement il admet que il était participé il était aidé dans et facilité pour jeunes âmes mais tout côté pour mercenaires colombiens ou même yoté logé mais il dit tout il était participé dans un complot ça dans opération ça avec espoir que si Jovenel Moïse mouri solide il pas là encore gon moun ki t'a vinn président jusqu'à présent non ça beaucoup ka meton non pour nous connait qui est-ce qui t'a vinn président et là ça c'est John Joel Joseph qui t'a pral vinn premier ministre voilà Jacob et ben merci un peu la Luxon Seville merci Gary merci Johnny merci tout le monde n'a croisé une prochaine fois voilà John Joel c'est ta premier ministre pays mon yo qui prend très au sérieux elle me dit tout à l'heure et il a la police pour nous Joseph Félix Badjou. C'est ton plaisir. Son façon pour me dire, monsieur tellement transformé. Monsieur tellement transformé. On comprend, on vient sentir. Si pas bien gardé, on comprend, on vient sentir ces deux mondes différents entre monde qui. Pourquoi penser son pasteur? Qui n'a photo. On peut faire un pasteur, un professeur tout. Oui, oui. Professeur, un pasteur. Philosophe, on vient voir ça. Il bab, il cheveux. Allons, vieux Félix Badjou. Ok. Ok, je vais une bonne mesure à tout là, j'ai bon mise en scène. Monsieur Badjou. Antonio Antriago. Alors, son ami qui partage ça avec moi. Oui, c'est Jean-Pierre, ok. Ok, qui dit que agent FBI possédé mardi 14 février 2023 en Floride, avec arrestation 4 nouveaux suspects clés dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Blanc. Parmi eux, figuré responsable CTO Antonio Antriago, CTO son compagnie qui était chargé pour recruter mercenaires colombiens pour assassiner l'ancien président République Blanc 6-7 juillet passé. Donc, selon document ça, oui, il doit dire, monsieur Théa. Arrêté. Ok, peut-être nous chercher l'autre détail tout à l'heure. Oui, Johnny, pour nous capable de rentrer dans l'autre dossier. Alors, par rapport avec les documents, licences que nous avons joué, je vais essayer de garder une comparaison là. Non seulement et selon ça nous comprend, donc Badjou capable de gagner licence là, mais non seulement pour dire que le fait rentrer dans le pays, donc c'est la licence à la conduite, mais qu'on a un papier machine qui sous nom. Et ben moi qui sous nom Marie Patricia Jean-Gilles. Donc c'est Jean-Gilles pour Jean-Gilles. Donc c'est capable de dire ça, c'est madame, j'imagine, celle madame, cousine. Ouais, tout ça, ça veut dire donc pas grand hasard vraiment dans le document que monsieur était en possession pendant t'as pas arrêté là. Comment son bagage bien calculé. Simplement c'est pas marché avec pièce pâle. Pour moi-même son choix. OK. Conseil sécurité Nations Unies a adopté. Je dis que c'est mon cas Spring Valley. Mon abdim zala. Eh oui. J'ai un bon ami qui dit c'est à 2 minutes de Kaili, monsieur Alrité. Non, de Kaili? À 2 minutes de Kaili. Ah, ok.
Ok. Allons vivre Badjo Zawa. Badjo a fait causer ici. Badjo a fait causer. Oui. Conseil sécurité Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution qui renouvelait pour une année régime sanctions sur Haïti, qui gagne la donne un embargo ZAM, gelé bien et puis interdiction au travail. C'est Équateur ensemble avec les États-Unis qui réécrit résolution ça sur Haïti. Après vote représentant permanent Équateur dans l'ONU, Hernan Pérez te prend la parole pour déclarer crise humanitaire, politique et sécurité Haïti. Il y a plusieurs dimensions et il demande une réponse intégrée. Représentant permanent Haïti, Subopal Antonio Rodrigue fait remarquer votre ça suive approbation résolution 2699 là, qui était approuvé déploiement en force multinationale pour aider sécuriser Haïti. Réaction pas suspendre ou bien pas printemps pour tomber après Nations Unies approuvé hier jeudi une résolution qui sanctionne diverses personnalités en Haïti qui ont responsabilité dans insécurité gang, dans insécurité gang armé au blaï dans pays. Il y a un acteur dans la classe politique là qui satisfait concernant un rapport ça, même si il n'y a pas quoi la justice a pas agi contre monde qui en bas sanctionne Nations Unies. Il y a l'autre qui estime rapport à pas complet parce que tu as un nom, quelques personnalités politiques qui n'est pas dans le document. Détail avec Jean-Paul lundi. Namdi, rapport ça, son bon rapport. Li complet, li pas simple rapport. Tant coup, parents élèves qui finissent des résultats examen baccalauréat, c'est qu'il content net alcoolé dans quel porte-parole moupod là, dans quel divers autres acteurs dans la classe politique là, avec société civile là, après votre rapport Nations Unies sous affaire insécurité en Haïti. Ancien président Michel Martelly, ancien député Thierry-Rivière Latibonite Profane Victor, homme d'affaires Reynold Dib, bref, en tout cas, liste non moun qui tombe en bas sanction pour tête yota nan kokoday à gang pa boycite. Long en pile. Pour André Raphaël, c'est pas une surprise. L'Aptan Nations Unies publié liste la complète. Sous le nom qui cite, nous au courant de yon, déjà annoncé à yon. Tout le monde au courant de yon. Mais ça qui intéresse nous au niveau du mot là, c'est liste là qui intéresse nous. Parce que dans liste là, il pourra le montrer, il y a deux noms qui pas cité déjà, qui la donne à montrer tout le monde. Jean Chenet Ulysse, bon côté pâle estimé, c'est beaucoup causé à ça. Rapport à pas complet, il pas fin kodjom. Pour l'idée mouvement, point final là, gen quelques noms qui t'est doué dans liste là. Tant coup, ancien chef binuant Hélène Lalim, li considéré comme marraine adoptif Fédération Gangyo. Il y a le nom de madame Hélène Lalim qui était présidente de BINU en Haïti et qui était la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui a contribué à la mise sous pied de la Fédération des gangs armés en Haïti. Gen un gros requin qui pas dans filière. Sabay Jean Chenet Ulysse tête chargée. L'elle considérée bon relation régime bandit légal là qui te gagne en tête li Michel Martelly te gagne à gang, dirigeant organisation sociopolitique la mandé qui Jean pour nom premier ministre de facto Ariel Henry fait pas dans tête liste là. Il y a le nom du PM Ariel Henry à plusieurs reprises qui était ministre sous le régime du PHTK. Il était ministre de l'Intérieur. Tout le monde connaît dans le pays être ministre de l'Intérieur et surtout du en période, Michel Martelly était président de la République. Nous connaissons que le ministère intérieur, c'est lui-même qui était toujours alimenté les gangs armés en Haïti. De 2015 à 2016, Ariel Henry était ministre des Affaires sociales. Et tout le monde connaît, en pile fois pour alimenter les gangs armés en Haïti, on passe toujours par le ministère des Affaires sociales. Nous dit que le nom de Ariel Henry doit être mentionné dans le rapport des Nations Unies sur l'insécurité en Haïti. Si gen moun ki dit classe politique ça tout fini après Nations Unies fin mette rapport à dehors qui montrait moun nan secteur économique ak nan classe politique là prend plaisir bay gang tété bon côté André Raphaël c'est bon bagaille. Mam mo pod la rete croire kounye a population a privé distinguer politicien ak gangster ak costume qui utilisait politique pour régler affaire yo. À partir de liste ça, li prend montrer clair
à société a que gien de moun qui a fait politique en dans pays a, c'est des monde qui honnête, c'est des monde qui crédible, c'est des monde qui croient en Haïti, c'est des patriotes tout bon vrai. Ça c'est une bonne chose ça arrivé là, son démarcation qui est lié. Nous pensons que société a après note de ça qui passait là yo, monde qui pas sanctionné, monde qui pas dans l'élection, c'est des monde qui des comportements corrects envers population haïtienne. Malheureusement Haïti pas bénéficier grand chose des sanctions ça yo Nations Unies prend contre yon latrier Zagoloray en Haïti. C'est ça André Raphaël pensait. Régime tête calée troisième version ak allié yo qui sous pouvoir, c'est un obstacle qui a empêché la justice agir dans le dossier ça. Avec modèle de l'État chaque Ariel Henry et allié là dans yo, si yo là, ben nous pas besoin rien avec yo. La justice ça, les pas qu'a fait rien. Tout crime qui fait yo, on regarder je dis un véritable de déjeune. Pas gen monde qui a sanctionné. Il a kidnappé monde, il a tué monde en dans pays ya. Yo, yo senti yo plike confortable. Gade même autour d'Ariel Henry, ministre yo, non yo dans rapport. 13 novembre, c'est date ça, Nations Unies apprend public officiellement liste non tout moun qui tombe en bas sanction pour connexion yo à gang en Haïti. Peuple a envie pour date ça arriver rapide pour l'ouest si autorité dans la justice a prêté bras croisés sans yo pas agir. Divers gros dinosaures dans classe politique là, dans gouvernement Ariel Henry, dans secteur économique là, carré si contre souffrance prison dans pénitencier national. Ariel Henry, de connivence avec les gangs armés durant son règne comme premier ministre et en tant que chef du CSPN, il n'a rien fait pour éradiquer les gangs armés en Haïti. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM. Merci un pile Jean-Paul Lundi. Tout à l'heure, et Guerrier t'a posé question et qui ça qui t'est fait avec responsable CTO Security. Eh bien, Lixon Saint-Ville, rappelez-nous que c'était 4 nègres qui étaient arrêtés ensemble à l'époque ça. C'est Arcangel Preltel Ortiz, monsieur qui a 50 ans, Antonio Entriago, 59 ans, qui c'est maître CTO, qui c'est un Vénézuélien. Et puis, il y a Walter Bentemia, qui lui-même a 54 ans, avec Frédéric Bergman, 64 ans. C'est Mounzaï qui a été ensemble. C'est une quoi information que Luxon Saint-Ville, correspondant permanent à nous depuis les États-Unis d'Amérique, particulièrement État Floride. Toujours dans le chapitre section, il y a un ancien secrétaire d'État et sécurité publique, là, Himmler Rebu, qui fait connaître le gouvernement Tadou écrit Nations Unies pour demander de soumettre les preuves, les disposer dans le dernier rapport, les mettre d'ailleurs, côté aux sanctionner une série de personnalités publiques qui ont financé gang dans le pays, ça qui d'après elle a permis de gagner action publique qui mettait en mouvement contre Mounsayo. Toutefois, ancien colonel Himmler Rebu mettait en doute capacité la justice haïtienne pour ta poursuivre une série de personnalités qui est indexée dans le rapport ça. Dirigeant politique l'a fait qu'on est. Si gouvernement pas prend disposition pour permettre la justice faire lumière sous série accusation ça yo, li capable poursuivre pour complicité. Himmler Rebu t'a répondre une question collaborateur nous, Reginald Remy. Son rapport, dans pile page là-dedans, nous lis des bagages que nous défendons déjà. Nous avons un sujet d'étonnement là-dedans. Donc, c'est une phase. Pour une deuxième phase là, il faut que nous prenions responsabilité pour tes accusations, ça, capable d'accuser mon de manière formelle. Parce que, un fait, un rapport, si t'es non, moun, et pour ton accusation formelle, contre son autre bagage. Si t'es non, l'État normal, je dis, le gouvernement haïtien, cap saisi le rapport, ça, cap mandé le pour voir justification gagnée sous chaque monde et étape constituer un dossier juridique pour dire côté étape porter des accusations formelles contre monde et monde étape des possibilités pour paraître devant juge pour défendre tête. Est-ce que ça fait, est-ce que ça a fait, parce que qualité accusation c'est pas capable de parole en l'air, il fait pour des paroles qui documentées et qui gagne une décision juridique qui prend compte. Par exemple, grand pile monde que accusé c'est de monde qui sont des politiques, qui ont des ambitions politiques. Si par exemple, on dit faire élection, on ne peut pas être dit au candidat. Comme on peut dire, on n'est pas capable candidat. Parce que c'est la loi qui définit qui est un monde capable candidat ou pas candidat dans le pays. Ce n'est pas une parole dans la bouche. Donc, on a des droits civils, on a des droits politique et droit politique garanti par la Constitution, par les lois de la République. Et loi, ça veut dire que vous avez perdu droit politique si vous condamnez à une peine affective ou infamante. Donc, si vous avez un processus de justice qui suivent l'accusation, c'est non l'obéi que le pays a tombé pire et puis devant. Et moun qui a provoqué l'obéi, il y a bien raison légalement.
Est-ce que nous avons une condition aujourd'hui pour nous faire la justice en Haïti? On connaît que non. D'ailleurs, parler de justice là, il y a plus qu'un an et demi depuis deux bandits étaient rentrés là dans des preuves. Mon cap dirigé pays ou pas dit rien. Donc, comment rendre la justice aujourd'hui en Haïti? Donc, ces affaires font une structure de transition qui a une autre orientation qui est capable de résoudre le problème ça avant de venir tourner un cancer sous deux républiques là. Mais n'importe qui pays normal, gouvernement, qui a écrit l'ONU, il a demandé les charges. Ça y est qui élément parce que dans tout document, il dit qu'il y a des preuves. Mais il n'y a pas qu'à fournir preuves dans le document. Donc, le rôle de l'État haïtien, c'est de demander ces preuves que capable de voir le procureur de la République, qui est commissaire du gouvernement, qui est capable de porter des plaintes formelles contre Mounsao sur le territoire haïtien, parce que tout le monde qui fait ça, c'est sous territoire haïtien que le crime est commettre. Donc, la structure de justice qui est apte à résoudre le problème, ça, c'est la structure de justice haïtienne. Mais ni moi-même, nous-mêmes, nous connaissons pas exister. Je dis, elle n'est pas debout. Si le gouvernement haïtien pas utilisé rapport, pas utilisé contenu rapport, je pourrais tomber dans l'autre problème devant eux-mêmes. Parce que ce sont des accusations publiques et formelles. L'État obligé de réagir. S'il pas réagi, il pourrait tomber dans une situation de complicité. Nous ne pouvons pas devant qui ça nous est là. Mais c'est pas une blague, bon, ça est là. Pas oublier que nous, nous avons accusation contre eux, c'est pas un pays. C'est un acte des accusations qui ont un caractère mondial. C'est de monde qui pas cap même là bas du pas cap bon avion arrivé là. C'est bon blague là. C'est de monde qui fiché devant les 193 membres qui constituent les Nations Unies. C'est bon une blague là. Mais si nous prenons en blague, nous avons tort. Maintenant, nous qui veut dire qui nous était pouvoir. Est-ce que le cap prend chance fait ça que normalement il a supposé faire? Marronnet. C'est très léger et très dangereux que il est à quitter le passé comme ça. Les rébus qui t'a réagi par rapport avec le dernier rapport que groupe expert humain soumet à l'attention de ou bien à l'appréciation sur les comités sanctions à la société Nigeria ou d'abord j'entends. Oui, alors Luxon Saville qui alors il y a deux noms mon yo dit ou même pas trop focus sur un rapport moi voulais dire mon yo bail sur ça c'est Romel Bell yo cité dans rapport expert avec Patrick Nouramé. Mais oui, ça moi-même, on pas fait de deux noms en priorité. C'est parce que toute sa expérience dit, il a juste confirmé sa ULCC dit déjà. Ok. Oui. Dans rapport. Nous parler de ça. ULCC dit qu'il a dit, Romel Bell fait faux déclaration patrimoine, mais qui quantité l'argent fait, mais qui business n'a pas déclaré, mais qui organisation gagne, l'a fait l'argent et l'a trié. Nous avons parlé de ça. Patrick nous a mis encore avec l'argent, BMPAD, avec don que BMPAD recevoir, surtout de Japon, du riz, et yo vend et puis vous l'affaire comme la fait route cochée avec elle. Nous t'ai parlé de ça dans l'espace ça déjà. Donc, monsieur Nations Unies, il a confirmé ça qui était déjà dit dans rapport ULCC et déjà fait sur ce dossier ça. Même j'entends pour Petro-Caribéa. Pour Petro-Caribéa, un chapitre important que monsieur, dans groupe expert, il a traité. Dans le paquet de bagages qui était dit, que ce soit dans deux rapports, commission sénatoriale, qui travaille sur le dossier ATFEO, que ce soit tout dans le rapport la Cour des comptes. Il y a qui te dit, donc expérieux, même, ils ont juste confirmé ça. Vous comprenez? Même là, d'accord, puis gros détournement l'argent fait dans Petro-Caribéa, il fait sous présidence Michel Joseph Matéli jusqu'à 2016 au privé. Ça est très clair et nous soulignons le fort dans le rapport, dans le dossier Petro-Caribéa. Vous parlez de Laurent Lamotte qui gagote un paquet de l'argent. Nous devons nous parler de ça tout. Les dernières sanctions Canada te prend contre l'ancien premier ministre. Nous te dit, mais qui ça, il te reproché, monsieur, a, mais qui ça, il te dit, il te fait, surtout avec un sérieux de programme social bidon, côté nègre, il te utilisé comme stratagème pour être capable de détourner un paquet de l'argent. Qui sorti dans Fopito Caribé à l'argent qui était destiné à créer une base de développement d'un pays ou bien et mettre en place des infrastructures qui étaient capables de permettre au moins nous sentir à vivre dans un pays côté citoyen, tu as senti qu'au moins il fait beau de vivre. C'était ça, je voulais quand même attirer l'attention à Mounio. Sous point ça, dans le dernier rapport, groupe expert soumet by comité section Conseil sécurité Nations Unies. Collectif défenseur plus. Eh bien, dit le bat bravo et la contentement pour publication rapport Nations Unies qui dévoile les connivences sur Syrie à tête politique et économique gagnée à gang dans le pays.
directeur Estrictissa Antonal Mortimer fait comprendre. Rapport ça montre comment une série acteurs à plus haut niveau l'État te servi obstacle pour toute démarche qui visait défendre droit moun militant droit moun nan koué. C'est moment pour la justice profiter agir contre acteurs accomplices actes criminels yo, même s'il gagne réserve sur la justice haïtienne qui d'après lui pas gagne liberté pour travailler sans passeport. Qui nous invité au côté Antonal Mortimer qui t'est parlé dans micro collaborateur nous Max Stanley Lévé. Écoute, j'aime bien pour quelle raison travail organisation droit moun yo travail média yo pas gagne fait parce que moun qui pour faire et qui pour faire revendication au passé, qui pour satisfaire les revendications, ou bien qui pour garantir justice, liberté publique, liberté individuelle, les droits fondamentaux, et eux-mêmes, ils sont les véritables prédateurs des droits, ou bien majorité là-dedans. Bon, pas moins de vie, en passant, juste à ce que là, un tribunal dans le pays, ou bien un tribunal qui fait pour ça, les prononcer en jugement, nous devons quand même considérer mon yo comme présumé coupable ou bien présumé innocent. Mais nous sommes capables de noter tout, gagner allégation contre yo. Ce n'est pas parce que les États-Unis préfaction, bien Canada préfaction, bien c'est pas parce que mon groupe d'experts et Nations Unies nommé mais non enquête. On connaît des gens qui ont nommé non yo dans sa passé dans la guerre tibonite. Pour nous connaître, il y a des gens dans le pays qui ont créé ou bien supporté un groupe gang qui empêchait les gens de traverser Matissan, qui empêchait l'autre groupe qui empêchait les gens de traverser Malpass pour aller au Dominicaine, qui empêchait les gens d'aller au plateau central, qui empêchait les gens d'aller dans la zone cabaret à Caye, et l'autre gang qui est dans la zone Pétionville, qui est là-dedans, qui est toujours revendiqué au proche pouvoir. Ils ont dit ça dans le micro-journaliste, ils ont parlé avec des groupes, des blogueurs ou bien des influenceurs sur les réseaux sociaux pour dire mais pour qui est-ce qu'il y a travail? Ils n'ont pas fait que ça. Donc, parole ça, il y a des gens, au nom, au niveau défenseur plus, n'ont pas étonné de certains gens dans l'histoire. Il y a des gens, moi je pense que dans l'état actuel que la justice est là, la justice. Et même tous les gangrenés par la corruption, même les qui sont des bons juges, même les qui sont des bons commissaires gouvernement, qui sont des bons avocats, qui sont des bons greffiers, qui sont des bons huissiers dans le système judiciaire-là, mais globalement, ce sont la justice qui est sous coupe réglée gouvernement. D'ailleurs, c'est le gouvernement de facto qui nomme juge en cour d'appel, c'est lui qui nomme juge à la cour de cassation d'une manière illégale et irrégulière, inconstitutionnelle, lui-même. Permettre que les gens qui ont opéré la chèque, qui ont resté l'argent de l'État, ça n'a pas pris de rien, ou bien qui ont pérennisé la corruption, c'est un peu pas certain que la justice qui a une capacité dans l'État actuel pour faire des procès équitables, mais moi je pense qu'il y a des magistrats et qui ont une volonté, et si ils ont un moyen, ils ont un encadrement, ils sont capables de commencer à enquêter sur des dossiers. Et les gouvernements ça qui parlent, qui lui-même est tout qualificatif, qui dans ça qui pas bon, bon probablement la justice est capable de libérer tête libre pour lui mener des dossiers sur des mondes qui impliqués dans des crimes financiers, crimes de sang, des crimes sous bien public, ou bien crimes sous des tueries qui semblaient avec des massacres. Et même des actions qui semblent avec des atrocités qui ne sont pas qualifiées crimes contre l'humanité qui fait en Haïti, crimes contre l'humanité qui fait en Haïti. Donc nous pensons qu'il y a possibilité pour les gens répondre à répondre à la question de la justice.